Étant donné qu'on est dans un marché niche, qui est les technologies assistées, on doit, une des mesures de succès, c'est de couvrir un territoire, le plus de territoire possible au niveau de la vente. Et la meilleure façon qu'on a trouvée pour faire ça, c'est effectivement d'avoir trois grandes régions de vente qui est chapeaudée par des bureaux physiques pour desservir ces zones-là. Maintenant, au niveau des équipes de vente, qui est très important, on a parlé de service client, d'être proche des clients. On a des équipes de vente physiques qui sont réparties au travers du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au UK, en Europe et en Australie pour couvrir l'ensemble du globe à ce niveau-là. Bien, essentiellement, on a des éléments, des fonctions qui sont centralisées plus au siège social et d'autres fonctions qui sont décentralisées, qui sont majoritairement la commercialisation, donc la vente et la distribution des produits. Maintenant, tout ce qui est recherche et développement, c'est centralisé ici au Canada avec notre corporatif. Le marketing produit est centralisé. Tout ce qui est chaîne d'approvisionnement, décision de fabrication, ces choses-là, c'est aussi centralisé ici. Ce qui est décentralisé au niveau des régions, et on compte sur les régions pour mousser et croître les ventes, c'est la commercialisation du marketing local et vraiment de pousser les ventes sur le plus de territoires possible.